Bon les gars, on est parti, let's go. On se casse à la Medinazia. Je vous emmène. Ça va être trop cool. On va voir Charline. J'ai trop hâte. Charline Cherry, you know. Ça va être trop bien. J'ai trop trop hâte. Je me grouille. Est-ce qu'il faut partir? J'ai refait mes cheveux roses. Vous avez voté pour les cheveux roses? Je sais pas si vous êtes content de revoir ces cheveux roses. Dites-moi ça en commentaire. Wow. Medinazia, let's go. D'arriver, let's go. Go chercher le vestiaire et après let's go. Bah écoutez, on a déposé les vestes et le parking et on a déjà usé 15 balles. On n'a pas encore profité. Maintenant on peut dépenser. Bon, on va essayer de trouver le stand dédicace pour trouver Charline. On va se balader un peu parce que franchement, se retaper c'est énorme, c'est énorme. Par contre je suis super contente, j'ai bien fait de venir le vendredi, c'est plus calme et c'est beaucoup plus agréable que la dernière fois. J'étais venue dimanche, c'était full de chez full. Donc petit conseil, si vous pouvez, venez le vendredi, c'est bien plus chill. Et je pense que c'est pareil pour les dédicaces et tout. Donc on va checker, il y a des petits créateurs, j'ai vraiment envie d'acheter plein de petits trucs chez les créateurs et les soutenir. Les gens sont grave stylés, de fou. Franchement, ils se sont donnés à fond, non mais vraiment. Ils sont incres. Bon, il y a Ariel qui passe. Est-ce que vous allez voir Ariel? Mais il y a deux Ariel qui parlent ensemble, non? Waouh! Il y a Ariel, il y a deux Ariel en même temps. Bon, va falloir que je choisisse. Oh, c'est trop beau! Je vais faire la file quand même. Je vais me faire une petite dédicace de Charline, let's go! Faire un coucou. J'ai été faire un coucou à Charline. Elle est en dédicace, on la voit après. Mais là, il y a un concours de K-pop, de danse K-pop, j'ai trop envie de le voir, évidemment. Du coup, je trace, mais c'est énorme. Du coup, je dois retourner de l'autre côté pour retrouver la danse K-pop. Concours K-pop, let's go quand même. Et après, je mange. J'ai la dalle. Je veux un onigiri. Je sais pas ce que je veux. Je veux plein de trucs en fait. On va tester plein de choses, je pense. Parce que j'arrive pas à choisir. J'ai faim de fou. C'est beau ici. Bon, on va s'installer. Mais genre là où il y a de la moquette quand même, je vais le mettre là. Je pense qu'on sera bien là. On a onigiri, ce qu'on a pris la dernière fois c'était bon mais cher. En gros, on a le choix pour manger. Let's go pour faire tout le tour du hall pour voir ce qu'il y a à manger.
et prendre le best of the best. On espère, on espère, on espère. C'est stylé. Bon bah je mange du kimchi du coup. Mais très rien. 6,5, 7 sur 10. Je vais chercher Charline, elle est à son stand, elle a terminé ses dédits. Mais elle sait pas où il faut venir pour venir manger. Donc du coup je vais la chercher. Est-ce que je vais trouver ou pas? Parce que je suis pas très forte en... Ah si ça va, c'est juste là. Ah oui non mais c'est juste là. Ça va c'est bon, tranquille. Tranquille, tranquille. Ah non, c'est pas juste là. Ah si c'est... Non. Attendez. C'est où les dédicaces? Faut que je la trouve. Ah, purée. Mais attends. C'est Charline Chou. Mais qui est-ce? Mais enfin... Mais... Oh mon dieu. Mais... Bonjour les blagues. Mais bonjour, avec qui je suis? Avec Madame Lisa Pim. Yes. Double blog, multiverse. Wouh. Alors, incroyable. Enfin. Mais grave moi aussi, purée trop bien. Je m'en sors actuellement de 2 heures d'affilée de dédicaces. Incroyable. Mais genre il n'y a pas eu de pause en fait. Non. Il y a eu de pause. Et tu recommences après. Oui je recommence dans 1 heure et 4. Ouais. Purée. Bon on va manger. On va manger madame. Let's go. Let's go. Oh purée trop bien. Le multi-bain. Mais totalement. Onigiri, enfin, j'ai trop faim. Enfin, j'ai trop faim. C'est la faim. Voilà, quoi. Les jeux de mots, l'humour. Je crois que ça fait du bien. Bon, j'ai bien mangé, j'ai acheté plein de choses, j'ai hâte de vous montrer. Je ferai un réel sur Lisa Kimilu, mon compte d'illustration, et sur mon Insta Lisa Kimchi, donc n'hésitez pas à me suivre, comme ça vous allez tout voir. Je suis un peu fatiguée là, il me reste un stand à aller voir, le stand de PM, j'adore son travail. C'est un illustrateur qui est aussi youtubeur, il fait aussi des vidéos, donc n'hésitez pas à aller voir. Bientôt des reels, des shorts et tout. Abonnez-vous, likez. Bisous.